35 et 40. Bonjour mes amis, me voici encore devant vous, au château La Tuilière, où je cuisine pour vous des plats exceptionnels. Et nous avons fait une création avec nos amis du château. C'est quoi? Ah, vous voudriez savoir, hein? Et toi aussi tu voudrais savoir, hein, monsieur le caméraman, là. Eh bien, nous allons faire, puisque c'est Noël bientôt, des foie gras. Mais pas n'importe quel foie gras. On va faire une recette de foie gras de Dordogne au caviar. Vous ne rêvez pas, au caviar. Au caviar de Neuvic, bien sûr, puisque c'est à côté. La pisciculture là, le caviar, il nous tend les bras. On n'a qu'à passer à côté des bacs, on appelle les surgeons et ils nous pondent dans les mains. Et nous avons notre caviar à notre disposition. Voilà. Alors, nous allons donc, ici, devant vous, deux blocs d'environ 1,3 kg ensemble. Et j'ai fait ici une petite préparation, mon cher réalisateur, qui se compose de piment d'Espelette, de sel de Guérande et de poivre blanc. On a fouillé un petit peu dans les réserves de l'élard parce que c'est un ensemble d'épices. Et nous avons découvert ceci et nous allons l'utiliser maintenant. Mais avant, un foie gras doit se déviner. Il sera bien meilleur si vous l'achetez déviné, c'est la qualité en dessous. Alors comment prépare-t-on un foie gras? Je vais avoir besoin d'un récipient pour pouvoir mettre le foie préparé et vous avez qu'à tirer dessus et le casser en deux car le foie se compose de deux parties. Et là vous avez ce qu'on appelle le système veineux. Et le système veineux, il suffit simplement d'enlever les mauvais morceaux, voilà, et de tirer dessus. Et donc le foie gras, on va le couper légèrement. Alors c'est pas un problème de couper le foie gras, car la structure moléculaire du foie gras, elle est ce qu'on appelle instable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixe avec le reste du produit. Et donc, eh bien, on va pouvoir enlever les petites choses, le casser en morceaux comme ça, et là, on va pouvoir le poser dans le récipient dans lequel nous allons ensuite le saler, et un plat, je préfère un plat si vous avez là. Et là, je vais le recasser une nouvelle fois pour essayer d'aller chercher les vénules. Voilà, ici je mets ce qui ne me sert pas, voilà, et là je mets ce que je vais utiliser, et je vais le passer comme ceci, voilà. Autre partie, là, est-ce qu'il y a quelques vénules ici? Oui, mais c'est pas grave, elles s'enlèvent toutes seules, donc on remet le foie. Quelques petits morceaux qui sont tombés, ils vont se reconstituer, voilà. On ne doit rien perdre. Et là, maintenant, nous allons attaquer la partie la plus difficile. Vous voyez? Eh bien, on va l'ouvrir. Et là, regardez, hop, la vénule est là. C'est la vénule principale. On va l'enlever également en tirant dessus. Et tous les petits bouts, vous les récupérez. Voilà. Tout bon. Et là, on va le tordre un petit peu et la grande vénule va nous apparaître. Elle est là. Alors on tire dessus et on évite de la casser pour pouvoir aller au bout. Et là, on arrive là, elle est là, hop, hop, hop. Ces deux petits bouts, on les rattrape, on les met là. Celui-là, on le met là. En définitive, il n'y a qu'une vénule principale. Et là, on va continuer de tirer dessus. Quand ça force un petit peu, on prend le couteau
et on fait une petite fente pour l'ouvrir. Et là, on retrouve la vénule qui est là. Voilà. Et la voici à nouveau. Et vous voyez, je tire dessus et elle suit mon mouvement. Je récupère à chaque fois les petits morceaux. Merci. Je fais une petite fente. Voilà. Et en plus, c'est de pouvoir le mettre en morceaux comme ça, c'est bien. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que comment on va le mettre à macérer pendant quelques minutes, enfin plutôt plusieurs heures, eh bien on va pouvoir bien mieux faire qu'il soit à l'unisson du produit dans lequel on va le mettre à macérer. Oui. Et là à chaque fois on suit la vénule, elle est là. Regardez, vous voyez ? Elle est là, cachée. Voilà. Voilà. Et une petite encore là, on enlève, et à chaque fois on récupère les petits morceaux éventuels qui peuvent coller. Voilà. Alors, allez là, celle-ci, on la met là. On arrive au bout. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Là, à mon avis, il y a encore un petit morceau. Il me manque un petit morceau. Il est où? Ah! Je savais qu'il était là. Évidemment, combien un certain nombre d'années a bien savoir le faire, si on le fait une fois par an, mais nous qui en faisons souvent, ou qui en faisions souvent, voilà. Là. Maintenant, nous passons au deuxième lobe. Et maintenant, deuxième partie. Nous allons, comme nous avons tout mélangé ensemble, on va tout faire ensemble et on va le retourner en poussant de façon à ce qu'il soit bien assaisonné des deux côtés. Bon, un petit nerf qui reste là, petite vénule. Voilà. La première fois vous y faites une fois là? Non. On a fait du dessin chez nous. C'est l'inconnu. Mmh.
Quand j'ai les deux grosses parties là qui vont me servir, donc pour faire le fond. Ah, il m'avait donné le caviar. Il a chauffé avec ma main, je l'ai creusé. Remarquez, il n'y a pas un gramme de perdu. Hein. Et donc maintenant, on va lui parler gentiment. Allez, encore. Allez-y. C'est dur, hein? Tant pis, on
ça ne dise pas. Non, c'est pas grave, c'est pas très bien. Allez, on retourne encore. Et on retourne encore. On retourne. On retourne. Allez-y. On retourne. On retourne. Là. Au revoir. Voilà. Et il est bien plus fin, ce bonhomme. Il est comme ça, je le vois. Ça sent bon, hein? Mmh. Vous sentez le vodka? Mmh. C'est vraiment la technique de l'ancienne, hein? Ah oui, attention. Regardez. Quelle gueule monsieur a-t-il? Pardon? Moi aussi, je suis un peintre au couteau. Là, on peut même rabaisser les voix. Bon, on y met des pièces. C'est rigolo. Ouais. C'est vrai, j'ai vu un mec, il est fou, il a rabaissé les voix. Donc là, vous allez racler, je vais tirer, et vous êtes, non, laissez-le, on va le faire glisser. Voilà. Et là, vous allez racler bien le torchon pour remettre par-dessus toutes les impuretés, tous les morceaux qu'on a pas ici. Oui, c'est surprenant, hein. Ouais, pas mal, hein.
Vodka. Je sais pas, on sent beaucoup de poivre, le poivre blanc. Non, mais là, c'est ça se tombe. Là, c'est planté, je pense, le poivre. Là, hein? Là, vas-y, tu continues. Mais je trouve que le caviar est très, 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 très présent. Ah, ben, vous avez beau, hein? Je trouve que le caviar est très présent. Enfin, pour moi, peut-être un peu trop. Enfin, c'est juste mon impression, hein. Pour le moment, on sera toujours à temps de le corriger après. Hein. En fait, c'est peut-être parce qu'on est formaté, peut-être que je suis formaté, et justement, c'est ce genre d'association, il est complètement interdit. Allez. Et toi, Stéphane, comment tu l'as trouvé? Moi, j'ai senti, ça dépend quelle version on a. Moi, j'ai senti surtout le poivre, poivre blanc, les épices. J'ai pas eu de morceau de caviar dessus parce que j'ai juste pris un peu ce qu'il y a dessus. Il n'avait pas non plus. Ah, mais j'ai pas senti. Et là, on tourne. Voilà. Et là, on fait un premier nœud. D'accord. Je n'ai jamais fait, c'est la première fois. Donc, ah oui? D'accord. C'est une idée de l'air. C'est juste mon sentiment, hein, c'est pas. Non. En plus, moi, j'ai pas forcément même pas avec vous. Non, mais en plus, il est pas cuit, là. Ouais. Alors maintenant, vous tournez, moi aussi. Donc, vous tournez convenablement. Comme tout à l'heure, on faisait. Ouais. On va essayer de tourner autrement pour que ce soit à temps. Vous tournez d'un côté, vous tournez vers la droite, vous tournez vers la gauche. Allez, on tourne. Voilà. Déjà, on espère les bons. Hein. Mmh. Et les petits points qu'on va noir du caviar, on verra. Ça marche. Voilà. Donc là, on va faire un deuxième nœud. Possible du four. Et on continue encore? Ouais. Donc on fait un quatrième nœud, c'est encore mieux. Là maintenant, déjà il est beau là. Et lui, il est entièrement reconstruit tous les deux. Maintenant, on va faire la même chose. On va croiser le film de la même façon. Et là, c'est plus pratique. Dans le sens pour serrer un peu plus. Ah, on ressent ça. Voilà. Et là, on va faire un croisement avec retournement. Voilà. Ça ne fait rien. Ça fait le pixel. On va serrer. Et là, on fait ça. Voilà. Et on va faire 3 ou 4 tours. Si là, il est bon. Voilà. On fait un dernier tour. Voilà. Bravo, chef. Donc maintenant, on va le mettre au micro-ondes. On ne laisse pas au frais un peu. On ne laisse pas au frais un peu. On va le ramollir aussitôt, voilà. On peut le faire tout de suite. D'accord. Et après, vous laissez. Voilà. Et après, on va le laisser au frais jusqu'à temps que vous allez le déguster. Il sera terminé. Donc au micro-ondes, micro-ondes, alors là, il y a 1,3 kg. Pour 550 grammes, je mets 47 secondes. Donc ça fera 1,1 kg. Bon, on va faire. Il est où le micro? Il est derrière? Oui.
je vous montre quelque chose de sympathique. Hier, nous avons fait un foie gras. Le voici. Mais l'important dans le foie gras, c'est de voir ce que ça donne. Le voilà. Vous savez, un chef, qu'il soit professionnel ou non, il parle. Il vous raconte des choses. Mais c'est pas tout de vous dire les choses. L'important, c'est de vous le montrer pour que l'on puisse ensuite goûter. Et c'est ce goût, ce ressenti qui est le plus important. Vous allez aimer, vous n'allez pas aimer. Et c'est notre rôle de faire que vous aimiez. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va en couper une petite tranche parce que je vois déjà notre réalisateur qui pensait qu'on n'allait pas le faire. Et il bavait en disant « Ah, l'imposteur, je ne goûterai pas !» Et là, il est... Moi, je n'ai pas la caméra. Mais il est devant moi, à genoux, et il prie Saint-Antoine qu'on ne l'oublie pas. Alors, goûtons. Et puisque vous l'aurez fait avec moi, goûtez et on fera un échange. Allez, à tout de suite. La coupe s'est faite devant vous et je l'ai coupée avec le film pour qu'il conserve bien sa forme en cas de petit problème. Et là, il est là. Nous allons le mettre dans une assiette et vous allez pouvoir voir la couleur. Je l'ai fait d'environ 80 grammes. Voilà. Normalement, elle peut tenir debout. Sauf que là, j'ai fait un peu de travers la coupe et ça ne va pas tenir debout. C'est pas grave. Voilà. Regardez. Et regardez, monsieur le caméraman, monsieur le réalisateur, vous qui m'imploriez, regardez ce piqué, regardez cette chair, regardez, je ne veux pas dire ce talent, mais regardez la couleur, c'est sublime. Alors maintenant, on va le mettre dans une petite assiette et on va le goûter. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Quand vous faites un foie gras, il est souvent recouvert de graisse, même chez le charcutier, quand vous l'achetez ou le boucher. Regardez là, le peu de graisse qu'il y a avec cette cuisson. Qui, je vous le rappelle, a été d'une minute, plus une minute, plus 30 secondes. 2 minutes 30 maximum pour un foie qui faisait 1,3 kg. Et regardez, même autour du foie, il y a très peu. Voilà, il y a très peu. Alors maintenant vient le moment fatidique où Leïla et moi allons goûter. Allez, vous prenez le... Attends, je vais les mettre un petit peu là. Léla, je vais vous donner un morceau, bien sûr, avec le caviar.
Voilà. Merci. Monsieur le réalisateur, vous avez bien mérité de votre peine. Là, je ne peux pas vous filmer, mais ceci, c'est pour vous. Et vous allez nous dire tout. Merci, chef. Non, mais après l'avoir goûté. Ouais, c'était vrai. Une odeur. Merci beaucoup. Ça sent bon. Pierre, vous voulez un petit morceau de pain? Comment vous avez trouvé? J'ai pas goûté encore, moi je goûte un peu de pain. Vous venez me dire votre avis là, quand vous goûtez là, devant la caméra. Ah non. Ben si, c'est important. Sans concession, hein, vous me donnez, dites ce que vous en pensez. Avec le mélange. Il a un tout petit défaut. C'est que le caviar. Un peu trop présent. Ah, moi je trouve qu'il est passé. Ah ouais? Il manque un peu de sel. Ah, il est présent. Ah, pour être présent, il est présent. Ah oui. Mais par contre, quand vous le mangez, vous pouvez très bien mettre un morceau où il y en a moins, parce qu'on ne peut pas en mettre partout. Mmh. Et avec un morceau où il y en a un peu plus. Il faut bien que je le mette quelque part. Mmh. En plus, c'est du pressé. Donc, comme c'est du pressé, je ne peux pas l'étendre. Mmh. Vous voyez, donc ça c'est important. Oui. Important. Non, mais. Oui, oui, mais c'est important de comprendre ça. Complètement. Vous voyez. Donc, le caviar est stocké à l'intérieur, et donc c'est de mettre un morceau où il y en a moins, avec un morceau où il y en a plus, pour qu'il soit un peu plus. Évidemment, si vous tapez en plein dans le caviar, là il sera présent, c'est sûr. En plus, c'est du pressé, donc compressé. Hein. C'est excellent. Le fait qu'il a passé une nuit. Au frais. Ah ben ça change d'hier. Ça change d'hier. Hein. C'est encore meilleur ce soir. Hein. Et la vodka est surprenante aussi parce que c'est un alcool qui est quand même assez neutre. Et là, ça la dynamise agréablement. Le Ça la dynamise agréablement. Le fa. Ouais. Et en plus, il n'y a pas d'amertume. Oui. Et on n'a pas mis une goutte de sucre. Ouais. Non, mais le foie était de qualité. Hein. Ouais. C'est excellent. Mmh. Donc, mesdames et messieurs, trop dur la vie. Pour Noël, n'hésitez pas, un foie gras de Neuvée, car c'est une création, vous n'en trouverez pas dans le commerce. Nous sommes les seuls, nous sommes uniques au château de la Tulière, à avoir ce foie gras, mais le seul à le commercialiser. Aujourd'hui, c'est le caviar de Neuvik. C'est à eux qu'il faudra s'adresser. Caviar de Neuvik, Neuvik. Neuvik, c'est quel numéro de département? 24. 24, 390, je crois. Non, c'est. Je ne sais pas. Neuvik, c'est. Neuvik. C'est en Dordogne, le pays des champignons et des jolis garçons. On va le rajouter. Puisque c'est enregistré, on pourra faire un petit encart supplémentaire. On va le mettre au frais, même ça, il faut le rembobiner dans le film, et ça pour votre mari. Ok, merci beaucoup. Alors vous voyez en cuisine, que ce soit le soir, que ce soit le matin, puisque nous cuisinons toute la journée, eh bien, ce que l'on fait, on vous le dit, on vous le répète, mais on vous le montre. Et notre réalisateur n'a aucune raison de dire que c'est bon si ça ne l'est pas. Surtout, je ne le voudrais pas, parce que moi, je sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Léla, oui. Aussi. Va pas vous dire que c'est bon, il ne mettra pas sa carte
si ce n'est pas une réussite. Ouais, alors, les preuves sont là, sous votre nez. Il s'appelle le foie gras de canard mulard au caviar, farci au caviar de Neuvik et réalisé par Léla, la chef de l'hôtellerie de la Tullière, du château de la Tullière, dont nous allons vous dire également le nom, parce que je ne m'en souviens jamais, c'est Saint-Front de Pradoux. De Pradoux. Saint-Front de Pradoux, 24 400. 24 400. Téléphone 05 06 06 42 35 36 82. 82. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez venir dormir ici. Le week-end ici, c'est le rêve. Mais le rêve absolu, bucolique. On a même vu des traces de chevreuils. Ces cèpes que vous voyez là viennent de la forêt qui entoure le château. Et pour l'été, vous aurez la piscine. Et peut-être des cours de yoga si vous aimez le yoga. Peut-être des cours de cuisine si vous aimez faire la cuisine. Mais en tous les cas, quand vous repartirez d'ici, croyez-moi, vous direz « Pourquoi je n'habite pas là ?» Et si vous avez des enfants, vous verrez que ils seront heureux de gambader, de jouer dans le parc et de voir tout ce qu'il y a à voir. Vous allez dans la forêt, vous voyez les châtaigniers avec les châtaignes qui font plier les branches. Il ne manque que la petite chèvre de M. Seguin. Mais Blanchette, elle existe. En réalité, il l'appelle Blanche-Neige. Eh bien, pour les enfants, vous la trouverez à quelques kilomètres d'ici, dans un bac, dans une piscine. C'est exceptionnel parce que, à voir comme ça, c'est peut-être la seule au monde. C'est une esturgeon blanche, albinos. On les trouve qu'au fin fond de la mer Caspienne. Eh bien, elle attend aussi votre visite. Donc que votre repos sera salutaire, mais il sera aussi éducatif. Ici, l'endroit est multifacette. Il est pédagogique. C'est un bonheur total. Une résurgence, peut-être, d'un rêve d'enfant que vous aurez eu. Eh bien, vous le trouverez ici. En venant vous reposer un week-end, quelques jours, une semaine, à travers cette excellente cuisine que nous fait Léla, des chambres absolument magnifiques qui vous feront rêver, et surtout un endroit, comme je l'ai déjà dit, bucolique, entouré d'oiseaux, entouré d'animaux sauvages. Et là, on peut dire que, comme dans le Gers, qui est tout près d'ici, le bonheur est dans le pré, mais il est aussi au château de la Tullière. Eh bien, les propriétaires vous y attendent. Et soyez certains que quand vous repartirez, le bonheur sera dans votre cœur. Il ne vous quittera pas jusqu'à votre prochain séjour.